Amis téléspectateurs, bonsoir. Non, pas c'est Ivenson Frank, c'est un plaisir de vous avec vous pour présenter au téléjournal. Mais Grand Sitio, groupe parlementaire pour stabilité, rencontré président République là, lundi 27 août passé, hein, président bloc GPS là, Asten Jean, expliqué, dossier ratification premier ministre nommé à noter Jean-Henri Séanté dans mi-temps discussion, yo. Projet loi finance rectificatif 2017-2018 là, pas arrivé voté, yon l'autre fois encore dans chambre députée à, dans cadre séance plénière, BIOA organisé mardi 28. Toute là. Dans l'occasion, troisième journée conférence spéciale dans le cadre rentrée l'école là, ministère communication recevoir jeudi à représentant plusieurs institutions, tant qu'aux travaux publics avec la police sous disposition qu'apprend dans l'occasion. Magistrat principal Pétionville, Dominique Saint-Roch, salué initiative président Jovenel Moïse prend pour distribuer matériel by responsable mairie dans différentes régions en pays. Dominique Saint-Roch expliquait des massas à permettre autorité communale réaliser travail développement non communauté. C'est pour ça que nous allons développer pour un budget, rester branché Naptoné. Merci pour fidélité à Télévision Nationale d'Haïti. Mes journal là en détail. Travail, caravane, changement à poursuivre dans le département Grand'Anse. Actuellement, il y a divers travail infrastructures routières qui ont fait dans Duchiti, Cafou, Aubac, rue Eugène Magron à Cariel Lapet pour améliorer conditions en déplacement population dans zone Silla. Reportage Falland Delphin avec Michel Joseph. Construction caniveau Yonanville Jérémy, asphaltage route du Chiti à Kafoubac, reprofilage route Eugène Morgron à construction totale Riel La Paix, c'est quelques travail qu'a fait dans le département. Problème poussière, les gains soleil à Klabou, les gains la pluie après le résoudre pour moun qui a fréquenté zone sa yo. Plusieurs moun dans la population en félicité travail sa yo qui pral améliorer conditions vie yo. M'a dit un gros coup de merci parce que qui mettait ensemble qui capable venir retirer nous côté nous là et m'a dit président un gros coup de chapeau parce que un gros travail il était fait pour nous parce que route écrasé depuis à peine 2 ans comme ça route écrasé n'a prend poussière n'a c'est un plaisir pour moi. Pour moi, route bon la caille même cap on l'autre modèle. Non pas de route manger depuis gain route la gain la vie parce que la gain tu vas voir là il fait tes soleil là poussière envahit mes yeux mon cher. Oh ça un bel plaisir mon cher. Depuis me fait jusqu'à ce que moi vienne dans l'aïe ça c'est premier président cap marqué s'il ta bon route ça sorti Jérémy là arrivé jusqu'à Cacas dernier point département Grand'Anse qui te pays à 4000 km route. C'est un objectif administration président Jovenel Moïse là. Travail dans le cadre de caravane changement avancé dans plusieurs communes dans le département de la Tibonite-Lan. C'est comme ça sur route Tenev-Gonaïve, il y a élargissement avec terrassement qui permettent plusieurs techniciens TPTC mobilisés sur toute route là. Dans le cadre de travail Sayo. Reportage Richardson Jordan à Capems Jean-Baptiste. 25 travaux publics, transport, communication, à travail sur Tenev Gonaïve là. Pour qu'on y a, c'est terrassement avec élargissement qui continue à faire et en façon pour permettre piétons à monde qui sous moto ou soit machine circuler sans qu'elle saute par rapport à problème qui était conjoint sur route ça. Magistrat Tenev là, Joannel Raymond salue le travail ça qui a réalisé dans l'intérêt population. C'est un côté qui était enclavé, 23 km plus près ville d'Adi Gonaïve. Par rapport avec l'autre commune, mais cependant, il était plus loin parce que toutes eh bien communes qui sont dans la ville de Gonaïve. Pendant que dans la question de kilométrage, il est plus près, et puis après, les pouvines dans l'île, on prend 3, 4, 5 temps pour arriver sur motocyclette, pour arriver sur machine. Mais grâce avec eh bien travail qu'a fait sur la route là, eh bien, dans 30 minutes, la motocyclette déjà mené Mounio dans la ville. La population salue le travail qu'a réalisé sur Tenev Gonaïve. Pour d'ailleurs, on n'a pas bon même, lorsque de la pluie tombe, nous pas qu'à traverser, nous pas qu'à voyager même. Pour d'ailleurs, c'est celle-là qu'on a pas de problème. Et me dire qu'on a pas de problème. Longtemps, pas de bon même, qu'on y a commencé au mieux.
il commence à s'abattre, j'en ai longtemps. Ah, on t'a la bon pile. Parce que depuis que nous savons que nous pouvons nous faire un bon pile, c'est quoi le bon problème dans la moutée là? Là, nous avons un problème. Avec deux autres bons problèmes là, parce que nous sommes là, la moutée là, nous moutons bien, nous avons un problème. Le travail qu'a réalisé sous Tenem Gonaïvlan inscrit dans le cadre de caravane changement, qui c'est une stratégie qui vise à faire pays à prendre le développement. J'ai noté annoncé l'antitio, magistrat principal Pétionville, la Dominique Saint-Roch, félicité président Jovenel Moïse pour l'initiative LIPRAN. Responsable mairie dans différentes régions dans le pays, Dominique Saint-Roch, expliquait des massas à permettre l'autorité communale de réaliser travail développement dans la communauté Yowa. En suivant extrait. Profiter de caméra là avec micro là pour remercier le président paysan. Le fait qu'il fait geste ça, il permet que non seulement Pétionville capable de jouer un deuxième compressif, c'est vrai que le débat nous en premier de 18 mètres cubes, il fait que fait nous don de l'autre là de 8 mètres cubes. Donc, petit ça, il pourrait permettre que nous commencer à rentrer dans le bidonville et établir horaire en dans la section communale pour que nous capable commencer à ramasser fatra correctement. Et surtout ça que nous battons bravo sous libre, c'est surtout et commune reculée. Qui part comme une deuxième, troisième catégorie, ou qui aujourd'hui ont commencé à jouer un compressif. Donc, presque, et tout respectant, nous souhaitons nous encourager, président, pour qu'il fasse l'autre commune qui pire qui l'est, jouer des compressifs, tout, pour permettre que si enlèvement fatra, l'y fait, pour se prendre question de zone, et zone porte au printemps seulement, qui est capable, en mesure, pour que vous ayez moyen pour élever fatra. L'autre point, député circonscription Mirbalea Abel Descolines dit li pas d'accord avec façon négociation yo a faite pour formation cabinet ministériel là. Parlementaire dit li pas d'accord ministre dans cabinet ministériel démissionnaire t'a fait partie prochain cabinet là. Dit ministre qu'a fait partie prochain cabinet ministériel là doit gain capacité pour répondre à qui a besoin population en Suisse. Nous inquiets du train que ça va dans le cadre de processus mis en place pour nouveau gouvernement. Au niveau du staff du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan, il a déclaré péremptoirement que vous disposez d'une majorité au niveau du Parlement haïtien. Bien évidemment, nous n'avons pas appréhendé tout élément qui gagnait au niveau public. Cependant, au niveau de la Chambre des députés, toute une série de blocs confondus, sinon presque, yo encore en attente d'un certain nombre de clarifications, notamment qui composition cabinet ministériel. Le groupe parlementaire pour stabilité rencontré président République là lundi 27 août passé à président bloc GPS là Asten Jean expliqué dossier ratification au premier ministre nommé à noté Jean-Henri Séan et dans mi-temps discussion yo parlementaire a dit président encourager parlementaire yo voter en faveur énoncé politique générale premier ministre nommé à côté gain pile défi Captain Lee. Le extrait dans micro Élisée Arcolo avec Moïse Wilbridge. Le président Jovenel disposait durant toute semaine ça, pour vous pas depuis week-end là, pour le rencontrer tout bloc pour parler. Moi j'étais dans la rencontre lundi matin ensemble avec lui. Effectivement, lui parlait ensemble avec nous de en pile bagaille, mais ça qui est plus important, lui parler sous possibilité pour tout le monde mettre tête ensemble pour le premier ministre capable de passer cap là. Parce que la population n'a pas été observée une situation côté qui a un gouvernement démissionnaire et que nous faisons des échanges ensemble avec lui et APH. Peut-être qu'il a déjà rencontré Géalien. C'est sur possibilité pour garder comment nous sommes capables d'aider, comment nous sommes capables de collaborer pour que le Premier ministre soit capable de passer câble et cap-là normalement dans le Parlement pour que le pays soit capable de gagner un gouvernement dans le plus bref délai.
L'autre nouvelle, projet loi finances rectificatif 2017-2018, là, pas arrivé voté. Et l'autre fois encore, dans la chambre députée, dans quatre séances plénières, bureau organisé mardi 28 août là. Plusieurs députés demandaient commission économie et finance là, ont fois encore à le corriger rapport à, puisqu'il était gain plusieurs projets qui étaient commencés dans quelques circonscriptions, qui pas inscrits dans le rapport commission 1. Devant situation ça, séance là renvoyée, pouillon troisième fois, selon député Samuel d'Haïti, lité dans le micro, fait de confident avec Moïse Wilbrich. Commission du travail, il présente le rapport, et dans le rapport, il y a certaines anomalies que nous demandons de commission pour le corriger. Exemple, commission prend trois ministères, côté il dit que le ministère Sayo, en termes de budget d'investissement, c'est 45%. Dans le montant qui était alloué pour yo, yo arrivé dépenser. Et c'est yo qui arrivé dans le niveau ça. Or, dans le même rapport ça, la commission dit que il y a une croissance du produit intérieur brut de 3,9%. Or, si pas d'investissement du produit intérieur brut. Donc, ça, notamment de corriger, le pas corriger. Et l'autre plus gros problème qui présentait au niveau du budget, ils ont concentré tout comme investissement au niveau capital Port-au-Prince. Et ils ont désaffecté tout l'argent qui était prévu eh bien, pour circonscription qui en dehors de capital Port-au-Prince. Et rapidement, si nous sommes capables de garder, nous sommes capables de dire 90% du budget est concentré dans Port-au-Prince. Tandis que ils ont écarté circonscription qui en dehors de capital. Par exemple, dans la circonscription de CEMAC, nous avons gagné 5 projets en un budget initial 17-18 ans. Ils ont éliminé, ils ont désaffecté tout comme qui était dans le projet ça, et ils ont concentré au Port-au-Prince. Donc ça était vraiment difficile. Et quand ça, ils répétaient presque dans toute circonscription. C'est ça que fait, une fois encore, hier, mardi, eh bien, nous avons perturbé ces séances-là et nous avons envoyé la commission pour la corriger KL pour que tout crédit qui est gagné pour circonscription, pour que vous retenez, de façon que le projet soit capable d'exécuter. Conseil municipal mairie Pétionville a dénoncé mercredi 27 août la comportement yon série citoyen dit qui saccagé ak pillé l'école communale Thomas 532 citoyen sayo qui expliquait local là c'est propriété privée yo pas gain aucun document qui prouvait ça selon magistrat en après Pétionville la Eddie Dieudonné magistrat qui était rencontré avec directeur l'école communale Thomas 532 jeudi a fait qu'on est mairie a prend toute disposition pour accompagner responsable à l'école là avec population zone là pour permettre l'école là disponible pour entrer l'école là directeur l'école là Jean Luther avec magistrat adjoint Pétionville là Eddy Dieudonné a porté plus d'explications. Espace ça c'est un espace qui est abandonné depuis plus que 45 l'année. C'était un série de citoyens de mauvaise intention qui n'a fait Macquel n'a fait Cadizac n'a vienne cacher et la trier. Et c'est comme ça, dans l'année 2007, Katel Kazek, qui était élu dans l'époque ça, qui était comme chef de file, Saint-Cal, René Stil, a fait pression sur la mairie pour être capable de transformer l'espace ça en l'école. C'est comme ça, depuis octobre 2007, l'école là a fonctionné en dévacation, sorti préscolaire, fondamentale, secondaire, jusqu'à philo. 21 décembre 2017, un groupe moun débarqué l'école là, vers 6h du matin, et ont commencé à craser, briser, sous ordre, juge Légem qui est affecté au tribunal de paix de Pétionville, ils ont saboté, dépissé ça l'école là, t'es possédé. Bureau, chaise, bon. Avec matériel qui vous permettre l'école arriver fonctionner. L'école, ça, il n'y a pas l'école administration Dominique Séoc là, mais c'est toute administration communale qui passe dans Pétionville. D'ailleurs, c'est eux qui font prise en charge là, arriver sous administration Panouan, c'est nous qui pouvons faire depuis kindergarten jusqu'à philosophie. Personnel enseignant dans tous les trois vacances, c'est nous qui faisons. D'où, ils n'ont pas attaqué Méria, donc nous avons gardé les requêtes qui sont sous nous là.
c'est deux anciens casques qui n'ont pas de mise, qui n'ont pas de fonction encore. En fonction encore, c'est eux qui ont attaqué. Donc, en principe, ce n'est pas même casque qui a fonctionné pour attaquer. Donc, la mairie en tant que personne morale, si tu as un contentieux, c'est pour la justice féminine, c'est passer par les responsables de la mairie pour poser question. En attendant, c'est pas la population chancelée pour l'école à continuer à fonctionner comme cela se doit. Donc, la mairie copie avec la population. Normalement, l'école là, c'est pour l'ouvrir, pour continuer à bâtir mon nous. Il a dit tant pour l'école, tant pour la nation. Et l'éducation élève l'homme à la dignité de son être. Association Pensée Théologie annonçait organisation en colloque international pendant des jours, sorti jeudi 30 août pour arriver 1er septembre dans le palais municipal d'Elma. Colloque ça a déroulé sous le thème Yon Nouvelle Théologie pour Haïti. Responsable association Mavas Pierre lui expliquait colloque scientifique ça a réalisé dans objectif pour réfléchir sous orientation, discipline, théologie avec façon et pratiquer dans le pays d'Haïti. Un extrait dans micro Sainte-Croix-Paqui avec Hervé Pierre. L'objectif nous mener ça, c'est faire débat et réfléchir ensemble sur théologie. Nous sommes sur 7e année de réflexion théologique, nous, où côté chaque année, nous organisons des colloques internationaux et scientifiques, et nous bien dit, là, colloques internationaux et scientifiques sur théologie. Donc, année ça, nous avons eu un mois de réflexion théologique, et qui était commencé depuis 5 août dans l'église baptiste évangélique de Pétionville, où nous avons organisé premier cul, nous qui c'est un cul qui était ouvert tout le programme. Non? Et après ça, nous avons différentes activités, un débat, conférences et puis culte. Et moi, des réflexions théologiques, ça, l'a fini 2 septembre. J'ai commencé 5, l'a fini 2. Et l'a fini avec deux gros événements qui c'est deux jours de colloque et qui a commencé le 30 demain dans le palais municipal de l'Elma de 9h à 4h de l'après-midi. Jeudi et vendredi, et puis nous gagnons deux jours de foire du livre et cap est commencé 1er et 2 septembre et même là 9h à 4h et toujours même local là palais municipal de Delma. Nous arrivons au moment pour nous prendre deuxième pause dans le journal là, arrêtez branché, Naptonet. Actualité à poursuivre dans l'occasion 3e journée conférence spéciale dans le cadre de rentrée à l'école là. Ministère Communication recevoir mercredi 29 août 2018 la directrice départementale l'Ouest là, ministère Travaux Publics, Transport et Communication, ingénieur Wendy Jean-Louis, responsable direction centrale la police administrative là, inspecteur général Carl-Henri Boucher, responsable Édupol, inspecteur divisionnaire Jimmy François, responsable direction centrale police routière, commissaire Carmel Florent. C'était occasion pour responsable parler sous disposition qui prend en occasion rentrer l'école là. Directeur départemental MTPTCA fait qu'on est. Il a déjà commencé travail dans plusieurs zones dans le pays pour faciliter circulation en occasion rentrer l'école là. Un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Nous avons commencé à travailler sur la route de Carrefour. Après Carrefour, nous avons apporté un paquet d'embouteillage. Nous avons rentré sur la route de Carrefour, nous n'avons pas pu tout encore. À part de la marine haïtienne, côté de tout là-dedans, ça fait le tout, c'est parce que nous avons une compagnie dominicaine extrait à cap travail dans la zone ça, qui dit nous que, comme le bon contrat, nous ne pouvons plus faire gaspillage parce qu'il n'y a pas de gros moyens. Nous dit nous qu'il y a un ballon avant l'école. Nous avons garanti que d'ici vendredi, il y a patché devant la marine haïtienne. Après ça, nous avons descendu pour aller sur le terrain ou après pour y boucher, sauf devant les charges qui sont pour voir après qu'il y a tout là-dedans parce que nous avons courage à faire, nous n'avons pas dit ça tout à l'heure, nous avons courage à faire, nous obligé de quitter tout le camion qui est en train de faire. J'ai dit les besoins de camion qui est tout la plaque qui est en train de à le faire pour nous commencer encore, mais si demain nous avons fini avec péage de la soirée, c'est demain nous pas tiré. Après ça, nous avons descendu sur le carrefour, nous avons vu des plastiques qui sont en pile pour nous donner ça des bons lots ou après qu'il nous fait. Ou après qu'il nous fait, ensuite, son entraîneur, oui, à l'aide, qui t'a pas un pile problème. Ou après qu'il nous fait, oui, elle va, Maglo Amboise, Amaoli, et soit aller, ou actuellement, là, on a préparé sans fil, parce que sans fil, là, on finit demain, si tu veux. Ou maï gardé, ou après qu'il nous fait, ou d'ailleurs, pour des paquets de citron, qui sont censés boucher déjà. Son ensemble de travaux qui n'a pas de pour nous permettre circulation en ligne, pour nous permettre que la police fait travail, pour nous permettre que les vieux parents soient capables de prendre des routes sans aucune difficulté. Pour nous, mais parallèlement par rapport avec les travaux de patchage, ça a été effectué dans différentes zones métropolitaines.
Nous avons procédé avec courage. Courage car nous va se prendre sans que si le canal va fonctionner, si la ligne de bus va fonctionner, si la dalle va fonctionner, c'est la vie messie à terre, parce que vous avez retourné une graser encore. Donc, nous étions en fait, nous devinons un programme depuis avant de commencer à partir avec les potes collés. Potes collés, ça lié, c'est nous devons montrer qu'il y a Haïtien qui a vivre ensemble, Haïtien qui a mis des têtes ensemble. Donc, il doit se déranger avec matériel par le camion, traiteur, camion, excavatrice, l'odeur, venu pour nous curer le canal. Donc, si nous avons passé dans la nuit sur la route des carrefours, nous avons tout le canal dans la nuit, nous avons vu qu'il y a des matériels, des camions, des tracteurs qui ont nettoyé le canal. Directeur central police administrative là, inspecteur général Karl-Henri Boucher, dans occasion annoncé toute disposition déjà prend bon côté acteur concerné pour garantir sécurité dans le cadre d'entrée de l'école là. Puis loin, lui expliquer qu'il y a environ 7000 policiers qui mobilisés et puis à bien 291 espaces côté policiers à pied dans le département de l'Ouest là. Inspecteur général Karl-Henri Boucher, t'es profité occasion en tout temps dans un fait Moon Cap conduit machine sans plaque. Yon extrait dans le micro Rachel Saint-Fort à Cafrenel, Toussaint. L'un parle de 391 lieux de police. Et en général, nous avons approche l'Ouest, nous avons approche nationale. Ceci dit, je parle de tout poste de police qui est dans la commune, je parle de tout poste de police qui est dans la section communale. Je ne vais pas oublier, je vous dis, nous couvrons 31,9% de section communale. Pour cela, nous demandons pour que tous les policiers soient mobilisés pour que nous capables de permettre que nous avons une meilleure sécurité pendant l'ouverture des classes. Là, nous disons ça, nous avons environ près de 7000 policiers qui mobilisés de Port-au-Prince jusqu'à Jérémy, jusqu'à dans tout département, pardon, qui vont faire couverture de l'école là. Parce que, bon temps dans ce qui a développé aujourd'hui, hein, que l'ouverture des classes pour la sécurité seulement pour le département de l'Ouest, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas comme ça, nous allons au niveau national. Sous-Bopal, responsable direction centrale, police routière, commissaire Carmel Florent, fait qu'on est toute disposition déjà prend dans le niveau au commandement, la police là pour permettre à la population, hein, si qu'il est comme ça doit dans l'occasion rentrer l'école là. Et de l'autre côté, commissaire Florent mandé chauffer abonnement yo pour mettre machine yo en règle, pour respecter consigne yo, yon façon protéger timoun yo. Yon extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel tout ça. La police qui déjà prend toute disposition avec direction circulation pour tout parent qui a mené l'école dans l'ouverture classe là lundi qui a fait il a mené dans toute sécurité sans aucun problème au niveau de la circulation. Nous, dans la direction circulation, nous étions occupés, nous étions préparés pour occuper toute zone qui va nous barricader en embouteillage. Et nous avons un policier qui a calé la ligne complètement. Nous avons des tout parents pour nous mener à tout à toutes les étudiants dans l'ouverture de l'école qui a fait lundi. Donc, pas besoin de faire. La seule chose, problème qui compte gagner pour toutes parents lever bonheur et pour vous mener si vous y allez normalement. Pas oublier, circulation a demandé avec population. Si problème qui compte gagner, c'est le monde qui a fait indiscipliné dans la rue, hein? Le monde qui a dépassé. Il n'y a pas de suivi et il n'a privé normalement. Directeur de circulation m'a dit, dans le moment ça, pour tout le monde garder les lignes, pour ne pas dépasser ni à droite ni à gauche. Et aux machines qui n'ont pas de plaque, qui manquent une grande plaque, aux monde qui ont une sirène avec Jéhovah là-dedans, dans l'ouverture de l'école là, puis ils ont pris la rue.
Dans le cadre de la conférence spéciale, ça, responsable du pôle inspecteur divisionnaire Jimmy François parlait sous accompagnement il y a bail élève pendant année l'école là pour permettre de réussir année scolaire. Inspecteur divisionnaire a demandé collaboration population hein, et spécialement parents directeurs à l'école la bataille contre drogue dans l'école yo. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Pour être des classes là, nous connaissons très bien. C'est l'affaire de l'éducole, c'est l'affaire de l'État et c'est l'affaire spécifiquement de l'éducole. Parce que rôle par nous, en tant que police communautaire, unité éducole, nous là pour nous accompagner les élèves, pour nous permettre qu'ils réussissent l'année scolaire. Là. Comment nous faire accompagnement ça? Accompagnement va le faire sous trois niveaux. Nous avons fait à travers un programme que nous avons, qui c'est Bonjour Écolier, qui a fait dès la réouverture des classes, côté que nous allons passer dans le lycée, collège. Deuxième étape, nous avons fait au niveau place publique, tout côté que nous connaissons que Kagan, les cachets d'élèves, et le café école buissonnière, nous à présent avec toute. Et dispositif que nous gagnons pour nous contrecarrer le phénomène ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que délinquance, c'est un bagage qui commence, nous devons dire, à la maison, à l'école et puis dans la rue. Donc, dans le souci pour nous combattre délinquance, pour nous faire élève, chita en déclaration, nous, après toute disposition, pour là où il y a une place publique, yo, aux heures de classe, pour nous parler présence élève en uniforme là-dedans. Donc automatiquement, nous avons remarqué présence ou élève en uniforme aux heures de classe, ça normalement, et élève ça, il va le passer par interpellation et directeur d'école, par élève ça là pour courant, parce que nous connaissons très bien, trilogie du bol là, c'est par un directeur d'école et puis élève là. Ensemble, nous chita pour nous résoudre le problème là. L'autre point dans le journal, la Force démocratique haïtienne intégrée FDHI lancé un appel unité dans la population haïtienne, non? Dans l'idée pour résoudre problèmes, le pays d'Haïti a fait face depuis plusieurs années. Responsable FDHI, yo, plaide tout pour plus investissement fait dans l'éducation civique population, hein, yon manier, pour pays qu'on ait plus succès dans la question élection. Un extrait dans le micro, Rodney d'Orléans avec Moïse Wilwich. Pour nous unir, nous, pour nous dire que le système ça a changé. Système présidentialiste, le système législatif, il n'est pas bon pour le pays. Là. Qui sait? Nous sommes très surpris que demain, c'est un gouverneur que nous gagnons à la tête du pays. C'est possible. Et pourquoi pas? Parce que le système là, prend échec. Je dis à nous, nous faire constat de ça. Je dis à nous-mêmes, au niveau de FDHI, nous invitons les nations pour rejoindre nous. Ok? Soyez conscients. Réveillez de sommet, ça a fatigué nous. Son sommet est chargé. Je dis à la, on a fait des rêves, on a fait des cauchemars, mais nous parlons qui j'en ai sorti. On a perdu jeunesse, nous, qui peut aller en Chili, qui peut aller en Brésil, qui par contre, qui ne pas joindre. En pile là-dedans, on va aller au tournant. Mais au tournant là, à la caillou, sans espoir. Mais je dis à nous-mêmes, nous ne pas prétendre que nous avons fait le pour nous. Et comme vient de dire nos amis et nos collègues, il y a un pile monde qui a pensé même gens avec nous et n'a pas rencontré eux de jour en jour. Il a rejoindre nous et je dis à la, si nous c'est un point que nous y est dans l'histoire, je vous assure, nous qu'à répéter l'histoire. Ok? Nous qu'à faire histoire, nous qu'à changer l'île. Et je dis à la, ensemble, je pense qu'on va arriver. Commission Chambre députée a quitté la mission travail sous amendement constitution 1 présenté mardi 28 août là rapport by société civile là et puis l'autre secteur concerné dans population 1 c'est Onisa qui déroulé dans Pétionville permettre participants au fait connaissance à contenir rapport amendement yon contre-rendu Esaïe Aurelius ak Hervé Pierre. Démarche entendre informer différents secteurs la vie nationale là sous processus amendement constitution. Pour journée ça, ces différents représentants société civile là, mêlés à quelques officiels qui étaient concernés dans le cadre de séance d'information ça. Changement dans le régime politique là, question des charges, conseil électoral et question nationalité là, c'est parmi différentes propositions que la commission chambre des députés a fait dans le cadre de ça. Pour ne pas encourager discrimination entre haïtiens, nous proposons d'éliminer question des catégories haïtiens que la constitution a prévoit. Ou c'est haïtien, l'on fait de yon papa, ou soit yon maman qui est haïtien.
Et pour Haïtien, pour qu'il participer dans la vie politique du pays, à tout poste, cependant, poste président avec vice-président, Mando, qu'on a essayé de naissance et qu'on va jamais renoncer à nationalité. Pour question d'échange, certificat d'échange, qui causait un peu de problème, nous recommandons, pour question ça, sortir dans le Parlement et à le régler au niveau du cours des comptes. Nous recommandons, pour y faire totalement rebâtir, reconstruire le procédé amendement qui prolonge. Nous recommandons que quorum séance dans le Parlement change. Président Chambre député Agari Bodokwe, 30 l'année après Constitution 87 là, pas arrivé pour tes résultats dans ce qui concerne le modèle société pays a besoin. Pendant sa liée travail, Commission Chambre député a souhaité un amendement en profondeur dans la Constitution actuelle là. Constitution, ça permet que la liberté d'expression, la liberté d'association, les jeunes qui sont fait réunion au côté, ils ont été là, ils ont calmement, mais ça nous est là, le logiciel, ça nous est là, je dis, hein, parce que ne pas permettre que nous changions la vie de masse. Il ne pas permettre que nous créions les meilleures conditions de vie. Il ne pas permettre nous combattre la corruption. Et mieux n'aller, c'est mieux. N'a porté bonne nouvelle. Pour président Sénat République là, Joseph Lambert, sénateur doit suivre même route travail chambre député a d'après lui qui produit un bon travail. Il était quoi? Parlement a déjà parlé pour présenter proposition amendement constitution hein, à partir septembre 2019. Et autant de fois que nous banaliser un acte et prendre pour faire sembler un acte coquin et nous dénaturer, c'est autant de fois la paix errée. Je dis, il est aussi vrai tout que question Pétro-Caribe à tout, pas de traiter comme quoi monde, et puis tout mélanger avec le dossier Pétro-Caribe à l'intérieur de cette constitution que nous allons demander là, je ne veux dire. Il demande pour que chaque acteur, chaque institution fasse fort pour que vous compreniez sens et portée. Ensemble aux recommandations qui produit par la commission. Moi-même, personnellement, régime, changement de régime que vous proposez là, pour moi-même, il est nécessaire. Question de mon président, mon premier ministre, mon exécutif bicéphale, et premier ministre avec toute munition. Une domestiquée par les sénateurs, une domestiquée par les députés, et pour venir toujours dans une situation de blocage. Il y a au total 30 propositions composées rapport amendement commission chambre député, cap travail sur amendement constitution présenté. C'est une commission de 9 députés, là-dedans, il y a une femme qui était montée pour faire travail ça. Nous allons observer une autre pause dans le journal là, pas débranché, n'a tout d'un. Nous retournons après pause là, après quitter bouleversé pays pendant 3 jours, 6, 7 à 8 juillet passé à partie convention unité démocratique KID, quel est nécessaire pour mettre sous pied sans perdre de temps et en politique pour la vie meilleure. KID condamné toute mauvaise anguille, il dit qu'il était faufilé, fait violence, attaquer la vie avec bien moun dans circonstances là. Responsable KID yo fait qu'on est budget pays ses principales outils nous doit utiliser pour tracer chemin politique pour la vie meilleure, pour soulager souffrance peuple là, réflexion politique pour la vie meilleure à Chita sur 3 points qui présentaient comme ça. Premier point est pour 100 premiers jours gouvernement cap venir. Deuxième sur plan social, économique qu'il tirait l'environnemental dans un délai 6 à 24. Subvention livre l'école yo, appliquer loi sous salaire minimum non qui mandait pour conseil supérieur salaire ajuster salaire minimum suivant prix la vie inflation a provoqué, améliorer système promotion dans la police là, assurer puis bon condition travail avec privilège policier pour renforcer sécurité la vie avec bien tout le monde dans tout pays à pour ne citer ça seulement. Passé à président en bloc GPS là, Asten Jean, expliqué dossier ratification premier ministre nommé à noté Jean-Henri Séan, ténamitant discussion yo. Projet loi finance rectificatif 2017-2018 la pas arrivé voté yon l'autre fois encore dans chambre député à cadre séance plénière bureau a organisé mardi 28 août là.
Dans l'occasion, troisième journée conférence et spéciale dans le cadre rentrée l'école là, ministère communication recevoir Jodia, représentant plusieurs institutions, tant qu'aux travaux publics, avec la police sous disposition qu'apprend dans l'occasion. Magistrat principal Pétionville, Dominique Saint-Roch, allié initiative président Jovenel Moïse prend pour distribuer matériel par responsable mairie dans différentes régions en pays. Dominique Saint-Roch expliquait des massas à permettre autorité communale de réaliser travail à développement dans la communauté. C'est là nous mettons en bout dans le journal. Après, merci pour fidélité et attention. Bonne nuit tout le monde.